Il va camper. PNH là continue à faire opération avec intervention policière dans l'objectif pour craser tout foyer gang tout partout dans le pays pour permettre l'ordre et la paix capable de rétablir dans tout le pays. Dans ce sens, la police nationale d'Haïti fait plusieurs arrestations. Dans le département nord, dans la nuit 23 pour le 24 septembre 2024, là, la police mène une opération contre une gang qui a opéré dans la zone Tibo, dans la commune Milo. Il y a 4 individus qui sont mortellement blessés dans trois coups d'armes avec la police. Parmi eux, un chef gang qui relève Macorel Esponi, qui a dirigé l'association criminelle ça, qui est mortellement blessé. Gang ça a été spécialisé dans le kidnapping et puis impliqué dans plusieurs actes d'assassinat dans la plaine du Nord. À Cap-Haïtien, la police confisqué un pistolet, un revolver calibre 38, une arme à fabrication artisanale, deux couteaux, plusieurs cartouches différents calibres. Il y a 30 individus qui jouent arrestation. On a souligné la police mène opération ça dans quatre enquêtes qui ouvrent tout de suite après assassinat directeur départemental office migration dans Cap-Haïtien qui c'est monsieur Augustin et Kerwin dans date qui était 18 septembre 2024. Toujours dans nord, la police dans la commune Limbé dans quatre opération yo mené dans la nuit 27 septembre 2024 là dans une zone qui est le soleil levé. Côté gain deux présumés bandits qui mortellement blessés dans le cas d'échange de tir avec force l'audio. Qui c'est Valdano et Morgan et Siconi, la police confisqué des armes et des téléphones portables. Parallèlement, il y a quatre autres individus qui jouent à l'arrestation dans le cas d'opération que la police menait dans la zone Limbé, qui c'est César Fleury, 21 ans, André Joniel, 33 ans, Pierre Woodson, 18 ans, et Saint-Il Doudlin, 28 ans. Individu ça fait partie d'un gang qui relève le police que PNH a cherché activement pour implication dans plusieurs vols et examens commettent dans la commune Limbé. Faut que nous disions tout. Pas longtemps, même gang ça a été volé plus passé 1 million de goudes avec 8 000 dollars américains sur un commerçant dans la commune Limbé. Selon l'information de la police dans Limbé, disposé, Morgan ainsi connu, c'est le 10e chef gang qui relève le police. Dans le département centre, la police dans le département ça a arrêté Germain Magnon avec James Fortuné, qui s'est deux évadés de prison pénitentiaire nationale suite à l'attaque gang armée qui fait sous prison dans le mois mars 2024 qui s'est passé là. Faut qu'on fasse remarquer Saint-Germain Magnon est impliqué dans le dossier Cargaison ZAM, l'église épiscopale. Dans le département de la Tibonite, samedi qui était 28 septembre 2024, là, précisément dans Gonaïve, dans le cadre d'une opération, la police menait James Prilly alias John Billy qui est mortellement blessé dans l'échange de coups de balle avec la police et puis qui était accompagné de plusieurs autres acolytes qui étaient échappés pour lui. On a rappelé que James Prilly c'est fait partie d'une association criminelle alliée gang Kokorat sans race qui était impliquée dans divers actes, tant que boulet plusieurs bâtiments, institutions publiques, paquet Gonaïve, la mairie avec un véhicule, la police nationale d'Haïti dans Gonaïve. La police a cherché James Prilly suite à un mandat la justice a émis contre lui. Après une ordonnance, le cabinet d'instruction criminelle première instance Gonaïve est sorti, qui a voué individu ça à le juger dans l'assise criminelle pour les actes qu'il a commis.
dans le département sud pays, précisément dans Saint-Jean du Sud, la police procédait à l'arrestation de Germain Maslin, qui est chef gang qui relève l'armée Timanchette, qui a opéré dans la localité qui est Villeby, dans Saint-Jean du Sud. La police qui veut mettre les mains sous tout sous chef gang, c'est grâce à la collaboration mariage police-population. Dans la commune Gressier, plusieurs unités, plusieurs agents dans l'unité d'élite qui se soit, qui sont dans la police là, tapis basé dans Gressier depuis quelques temps, et puis mener une opération, et puis mener une opération pour capable de traquer et mettre en bas de bandits qui empêchaient les membres de la population de fonctionner dans l'activité. Pendant l'opération avec intervention policière, qui a poursuivi dans la commune Gressier, agents soit ont crasé diverses barricades et pièges malfaits pour être capable d'empêcher la police de progresser. Mettez sous ça, voyant policiers fait pénétration dans plusieurs cailles que les bandits ont utilisé comme cachet pour commettre des actes criminels. Agents l'audio qui jouent un support citoyen dans la zone Gressier, dans quatre mariages. Police population qui est directeur général de la police a été venu ensemble avec l'IA, commencer par un bon genre résultat et puis créer l'espoir, la caille moun Gressier. Dans la juridiction d'Elma, la police dans la juridiction d'Elma a arrêté dans la date 19 septembre 2024 qui se passe là, Johnson Antoine dans la zone Gérald Bataille, individu ça, c'est membre actif, gang criminel, 400 Marozo qui a opéré. Non, pas de bouquet. Dans la juridiction tabac, vendredi qui était 13 septembre 2024, direction centrale police judiciaire, DCPJ, à travers section homicide, interpellé commissaire principal, Livenson Gauthier, qui était responsable juridiction tabac. Il a arrêté tout, inspecteur principal, Jean-Claude Aimé, quatre travail tout dans la même juridiction ça dans le commissariat tabac avec deux autres civils qui c'est Robertson Antoine et Jean Rousseler. Quatre interpellations ça au fait dans quatre enquêtes DCPJ à mener suite à exécution citoyen Hubert Colo qui c'est un citoyen qui en même temps était un chauffeur taxi. Scène criminelle est déroulée dans Tabac 41, zone ambassade américaine, jeudi qui était 5 septembre 2024. Après plainte qui était portée, mettez sous témoignage en pile monde qui était dans la zone, et bien ils témoignaient que véhicule service qui affecté avec commissaire Livenson Gauthier était sous lié à ce crime. Selon l'information enquêteur de CBJ disposée, il y a un indice, surtout relevé téléphonique, qui montrait à clair que le commissaire Gauthier était dans le parage là, dans le moment exécution victime. Comme responsable juridiction, il ignorait fait qui passait et puis pas même produit un rapport sur ça. Jusqu'à présent, c'est le DCPJ qui est arrivé, saisi de dossier ça. N'a fait qu'on est beaucoup n'y a, commissaire Livenson Gauthier, ancien responsable juridiction tabac, l'y placé dans l'isolement. Faut qu'on dit tout, dossier ça, n'a on dit dans tout coup, pour le déférer devant autorité, la justice compétente. Dans même sens ça, nous voulons informer la population que l'opération qui a mené dans Badelma, centre-ville, spécialement dans le quartier Belé, Solino, Riel Maya, Delma D a continué. Renforcé chaque jour. Alors, chaque que nous connaissons l'objectif conférence de presse, et c'est sous question rentrée scolaire. Dans ce sens, ça, nous promettons la population avec la presse. Nous avons un rendez-vous spécifique sous bilan opération.
Mais tout, on a profité. On a profité fait qu'on est. PNH a déjà mis en bas code concubine à ce bandit criminel évadé de prison qui est le Kempes Sanoa, qui est le chef gang Bel Air. Pour finir, on a demandé à la population à être vigilant et éviter de prendre toute forme de tractation. PNH là, c'est nous et nous, c'est PNH. Unité ça, c'est vrai symbole. Mariage, police et population qui gagne pour si MPP, le directeur général de la police, M. Nomi Rameau, a prôné depuis l'élevé dans cette institution. Dans ce sens, ça, c'est important pour nous continuer à croire dans la force police. Merci. Dans la zone avenue N, etc., nous remarquons que nous avons plusieurs cas de kidnapping que les médias ont relayés. Et dans ce sens, qui disposition que la police a prend pour contrecarrer le phénomène ça, puisque nous connaissons l'école, l'entrée des classes, etc. Donc, mouvement dans la rue qui, justement, est mesure que la police va le prendre pour capable de contrecarrer ça. Un, deux, et gagner tout. Et on se parle de l'opération qui a mené dans les zones Badelma, comme on ne peut pas prêter sur lui, mais nous-mêmes, en tant que représentants de la population, nous pensons qu'on est à quel niveau que nous sommes capables de dire l'opération qui a mené dans Badelma, puisque nous connaissons ça représente un grand axe qui permet que les populations elles-mêmes circulent libérées dans et nous capables de dire activité. Oui, surtout pour libérer l'école. Merci. Deuxième question, oui. Et je réponds à la première question qui fait qu'on est que, journaliste a fait qu'on est que gagné plusieurs cas de kidnapping que il y a des médias qui recensent. N'a fait journaliste, n'a fait tout le monde connaît que, effectivement, la police touchée de quelques cas de kidnapping, gagné cellule au niveau des CPJ qui l'a pour ça, qui déjà au courant de l'information ça yo et DCPJ mettait en branle et chef juridiction tout mettait en branle pour ka contrecarrer les actes malfois ça. La police là mettait en branle pour empêcher que si y a quelque cas de kidnapping isolé qui fait pour garder comment que yo capable de permettre que yo monsieur pas continuer faire toujours. Et dans ce qui est pour avec la deuxième question, concernant qui ça la police a fait pour libérer un série d'espace. Alors nous sommes dit là tout à l'heure, dans le cadre d'intervention que nous sommes fait, c'est que tu as une rencontre qui était faite le 28 septembre. Et, alors, le 28 septembre qui s'est passé là, eh bien, le gouvernement, la police, ils ont mobilisé à travers un plan pour garder comment ils sont capables de. Capable de reprendre le contrôle en série des zones, ça fait que la police a travaillé sans relâche pour permettre que tout le monde soit capable de vaquer avec occupation. Merci beaucoup.